Bonjour les sportifs. On se retrouve pour une nouvelle phase de confinement, c'est la deuxième. Alors on s'est dit qu'on allait refaire un petit peu de sport. Et aujourd'hui on vous propose une séance de gym. Je vous rappelle avec qui je suis aujourd'hui. Natif. Dion. Allez, on va d'abord s'échauffer. Et pour cela, eh bien on va imiter nos amis les animaux. C'est le meilleur échauffement. En plus ça va bien nous renforcer. Hein. On y va? Alors, on va commencer par le kangourou, d'accord? On saute sur nos deux pieds, voilà, on peut se déplacer, nous on a deux petits tapis, alors on va les utiliser. Nous on va dans un petit espace, super. Sur nos deux pieds en même temps. Alors on pousse bien sur le devant du pied, on pose pas les talons, hein, d'accord? Légèrement. Super. Dylan essaie de ne pas tourner pour l'instant, on peut tourner légèrement, on fait attention aux genoux, hein, de ne pas se faire mal. Super. Allez, maintenant on met des araignées. Les araignées sur les mains, sur les pieds. Allez, on avance, on peut même tourner. Voilà, on va tourner dans un sens. Super. Allez, génial. On se lève bien les fesses, on continue. Ah, on a beaucoup de place. Hein. Et oui, ah, c'est pas mal déjà. Super. Allez, maintenant je vous propose, on est des éléphants. Sur les mains. Sur les pieds, jambes bien tendues. Jambes tendues. On avance, jambes tendues. Jambes tendues, on n'a pas le droit de plier les jambes. Jambes tendues, non, petit lac, jambes tendues. Tendues. Voilà, c'est bien. Jambes tendues. Allez, très bien. On se redresse. Maintenant, on est des lapins. Alors le lapin, il va aller poser ses pattes avant, loin devant. Il va ramener ses pattes arrière. Entre les mains le lapin. Jambes serrées. On serre les jambes et on écarte les bras. Jambes serrées. Jambes serrées. Non, Natis, on pose d'abord les mains et après on ramène les pieds. Les mains et les pieds entre les mains. Ah, la main écartée. Encore. Super. Allez, maintenant on est des singes. On pose les mains et après on ramène les pieds. Les petits singes. Voilà. Allez-y les singes, moi je vous regarde. Très bien, ah, on pose d'abord les mains. Natix, on pose les mains, vas-y continue. Les mains, jamais sur les genoux. On pose pas les genoux, on va se faire mal. On a un échauffement, on pose d'abord les mains. Natix, toi tu pousses sur les... Regarde, Natix, il pose les mains et après il rappelle tes pieds. Voilà, c'est bien, d'abord les mains et après les pieds. Super. Super, les mains et après les pieds. Encore. Ah, pas sur les genoux, on n'a pas fini l'échauffement hein. Très bien. Ah, ça va? Bon. Allez, on continue, on est des petits crocodiles. Donc sur le ventre, mettez-vous sur le ventre et vous tirez avec les coudes et vous poussez avec les genoux. Allez, crocodile, je vous laisse un peu de place. Très bien. Allez, on tire avec les coudes, on pousse avec les genoux. Le ventre au sol, Natis. Allez, Natis, continue, voilà, fais-le bien, super. Toujours le ventre au sol. Non, Natis, le ventre au sol. Voilà, regarde. Voilà, c'est bien comme ça, vas-y. Continue. Ouais. C'est bien. Allez, maintenant, on va être des grenouilles. Alors, la grenouille, c'est un peu comme le lapin. Sauf qu'elle, elle a les jambes bien écartées, ses pattes arrière. Là, on voit bien quand j'ai une grenouille. Je pose mes pattes avant serrées, je ramène mes deux pattes écartées. Les pieds de chaque côté des mains. D'abord les mains et après les pieds. C'est bien ça. Oh, super, Natis. Allez, continuez. Écartez bien. Super. Vous n'êtes pas obligé d'aller vite, hein, Natis. Non, parce qu'on ne tombe pas. D'accord, faites attention. Continuez. Voilà, super ça. Génial. Ah, ça c'est pas mal, c'est bien échauffé. Très bien, on pose d'abord les mains, Natis. Très bien, allez, on a fini. On a fini, on a fini. On va passer à la gym maintenant. Alors, gymnastique, je vous propose de commencer par la roulade avant. Alors, la roulade avant, elle sera réussie si on ne pose pas la tête au sol et qu'on se relève sans utiliser les mains. D'accord? Donc, on pose les mains au départ et on se relève. C'était bien ça, Natis? On a les jambes serrées, on se relève sans utiliser les mains. Super! Allez, à moi, je monte, pose les mains, je rentre la tête, je pose les mains avant et je me redresse. Allez, à vous. Je pose les mains, super, sur les pieds. Ah, on ne tisse pas les mains pour se relever. Hein. Oui, ça c'était bien. Encore, reviens avec nous, Natix. Tu ne sors pas, voilà, du tapis. Parce que là-bas, après, on va se faire mal. Non, Tylan, on avait dit deux pieds joints. Hein. Voilà, ça arrive, les petites erreurs qu'on reprend. Deux pieds joints, on pose les mains, on lève les fesses, on rentre la tête, on regarde le bouton et on pousse en avant et on se redresse. Voilà, on regarde bien, on a les pieds serrés, jambes serrées. Hein. Ah, Natis, t'as pas réussi à te relever? Oui, super, jambes serrées le plus possible. Très bien, la roulade d'avant, c'est bon, on a vu.
Donc on va s'entraîner encore pour vraiment bien y arriver. Maintenant, je vous propose la roulade arrière. La roulade arrière. Alors je montre. La roulade arrière, on doit placer déjà les mains ici de chaque côté des oreilles. Et placer notre ami le lapin. Attends Natis, d'abord je vais montrer, après tu vas faire, je vais t'aider. Et pour le faire, je vais d'abord, je vais le faire, je vais vous montrer. Je viens accroupi, je pousse en arrière, je pousse sur les bras. D'accord? Aléatoire, je pousse et j'arrive sur les pieds. Bien. Bien. Attention à la nuque, hein. On pousse bien sur les bras pour ne pas que la nuque touche. Super, c'est ça, on enroule bien. Voilà, on peut aider en plaçant les mains sur les hanches pour aider à arriver sur les pieds. D'accord. Allez, encore. Je roule, vas-y. Je peux aider les mains sur les hanches. Voilà, super. La roulade. Sur les pieds, la réception. Hein. Très bien. Encore une dernière. Sur les pieds, on pousse bien sur les pieds. Voilà ce qui se passe si on ne pousse pas sur les mains. Donc là, on commence la tisse. Allez, on roule en arrière. Mains sur les hanches pour aider. Et on arrive sur les pieds. Allez, on a fini la roulade arrière. On attend la dernière de Dylan. Super. Ça va, pas trop fatigué les garçons? Non? Bon, allez, on va passer maintenant à un équilibre. L'équilibre trépied sur les mains et sur la tête. Pour cela, il va falloir faire un triangle entre la tête et les mains, qui seront les appuis au sol. Oui, je vais d'abord montrer. Je vais placer une fois à genoux, mes mains de chaque côté des genoux et ma tête devant en appui au sol. Ensuite, je monte les fesses au-dessus de la tête. Je vais plier les jambes. Maintenant, déjà, je tiens bien mon équilibre. Si je tiens bien l'équilibre, c'est bon, je peux redescendre. C'est déjà un trépied. Quand on y arrivera, on montera les jambes vers le plafond. Alors voilà, on va aider, hop, on va s'assurer d'abord qu'on a bien le triangle. C'est bien, la tête devant, on va placer le dos, pour cela on peut aider les enfants, on plie les jambes, très bien. Et si on maintient l'équilibre, on monte les jambes, voilà, et on redescend, on arrive sur les pieds. À toi Dylan, pose la tête, voilà, on a bien le triangle. Le dos, on place le dos, on peut tendre les jambes si on y arrive, tendu, super, et on redescend. Oui, super. Alors si jamais on tombe vers l'avant, eh bien, on rentre la tête et on va rouler. Montre-nous Dylan. Triangle. Voilà, on place le dos. Ici, on va tomber, on roule, on rentre la tête et on roule. Voilà. Même chose, triangle d'abord, on attisse le triangle, les genoux, voilà, les mains de chaque côté des genoux. On a un triangle, on place le dos, on essaie de monter, d'abord les jambes pliées. Et on roule, si on est tombé, on rentre la tête. Super, on s'entraîne encore sur le trépied. Non, tu n'as pas ton triangle, rappelez-vous. Les mains de chaque côté des genoux. Même chose, mains de chaque côté des genoux, tête devant, on monte le dos, on plie d'abord les jambes. Tu n'as pas plié les jambes, Mathis. Et on revient. Oui, ça c'est réussi. Très bien, on monte les jambes. Et on revient. Ça y est. Allez, stop, les garçons. Viens, Natis. Maintenant, on va passer à un autre mouvement. Natis, viens. On va passer à la roue. La roue, qu'est-ce que c'est que la roue? Alors, avant de le faire, Natis, on va expliquer. La roue, c'est un élément où on va à la fois se renverser sur les mains. On n'attend pas d'avoir l'équilibre. Hein, où on va continuer de tourner. Et je vais suivre une ligne ici. D'accord? Tu veux le faire tout de suite? Alors pour cela, si je fais la roue à gauche, jambe gauche devant, main gauche devant. Et là, si je laisse ma main ici, elle va m'empêcher de tourner. Alors je vais tourner un peu mon poignet pour pousser vers l'arrière. On y va? Alors attends un petit là, tu vas faire derrière Matisse, puisqu'il faut suivre la ligne. Tu es prêt? Voilà. Mets la main ici. Voilà. Et la autre main, elle va aller au sol, donc elle est derrière. Attends un petit peu, je vais t'aider. Vas-y, c'est parti. Oui, c'est très bien. Allez, à tout va derrière. Ah bah attends, t'es pas déjà bien positionné. Alors, on avait dit le bras ici, doigt dirigé vers le pied et là, la main vers le plafond. Attention, Mathis, tu vas prendre un coup de pied. Allez, vas-y, tourne. Vous avez vu la parade? J'ai un aimant au niveau des hanches pour aider à placer. Allez. Allez, on se relève. À toi, Tylan, on continue. Ah, tu t'es tourné, c'est plus la même boucle. On peut essayer de chaque côté pour voir laquelle est la plus facile. Et après, le but, c'est de les réaliser de chaque côté. Bien, Natis. Attention, on repousse Natis parce que si tu tires, il tombe. Chacun son tapis maintenant. Allez, à vous. Et on tourne. Chacun son tour, hein, parce que sinon, on va se tomber sur les autres. Encore, vas-y.
Ah, tu tournes, tu changes de côté? Ah, si tu veux, tu peux essayer de côté pour voir. Tu es prêt? Allez! Ah, plus difficile de ce côté, hein. Natis, super la roue. Bon, on va encore s'entraîner, hein. Et après, on fera un petit enchaînement. On en fait encore une ou deux? Ça y est, c'est fini? Allez, je vous propose pour finir un petit enchaînement de ce qu'on a fait aujourd'hui. Hein, donc on va faire roulade avant, roulade arrière, roue et trépied. Dans quel ordre on les fait? Roulade avant, roulade arrière. Alors on va commencer par la roue, ça sera plus simple, vous allez voir. Alors on fait roue, roulade avant, roulade arrière, trépied. Roue, roulade avant maintenant. Très bien, on est sur les pieds. Roulade arrière. On peut aider. Et le trépied. Sur les genoux, triangle. Sur les genoux, triangle. Allez, on monte le bassin. On maintient, on tord. Oui, c'est réussi. À toi, Tilane. Roue. Très bien. Roule d'avant. Roule d'arrière. Et le trépied. Ah, est-ce qu'il va réussir tout seul? Regarde. Ouais, on rentre la tête. Allez, on n'a plus qu'à s'entraîner encore. Super. Alors, on a fini notre séance gymnastique. Natis, viens. Séance gymnastique. À vous de vous entraîner pour réussir cet enchaînement. Roue, roule d'avant, roule d'arrière, trépied. Entraînez-vous d'abord sur chacun des mouvements. Comme on a fini, on va s'étirer. Alors, je vous propose, les garçons, on est à genoux, on s'assoit sur les talons, on met les mains derrière, on appuie au sol. Ah oui, là, ça étire les muscles des cuisses ici. Ah, ça va, ça a été, les garçons? Pas fatigué? On va s'entraîner pour pouvoir faire un bel enchaînement. Très bien, maintenant, on va s'asseoir et tendre les jambes. Allez, on se grandit, on inspire, on descend vers les pointes de pied. On dégonfle le ballon. Allez, on reste un petit peu. On peut descendre un peu plus, ça. Tendez bien les jambes. Ça tire derrière. Hein. Essayez ici. Essayez bien. On s'attire un peu, bah oui. Hein. Très bien. Allez, on va finir. Regardez bien, on va écarter nos pétales. Le pétale d'une fleur. Hop. On écarte le plus possible. On ne force pas. On met les mains. Voilà, on attrape les chevilles. Ou les pointes de pied. Et on se tracte vers l'avant. Allez, t'es là comme nous. Prends tes pieds. Et on descend en avant. Ah, ça tire un peu là. Là, c'est les muscles adducteurs à l'intérieur des jambes. Et oui. Maintenant, pour atteindre un peu plus souple. Ça y est. Bon, on a fini pour aujourd'hui. Les garçons, on se lève. Allez, on vous dit au revoir. On vous dit à une prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir.